chaque dimanche de 16h à 17h30 avec Teddy. Sunday Afternoon. Les meilleurs moments sur Ornithorynque. Bonjour tout le monde, comment ça va? Merci d'être présent avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour. Attends, on va la refaire. Bonjour Fabien. Bonjour. Ah oui, c'est mieux là. Ah, et il oui. Y en a en fait, il a dit c'est ma rediff, mais je vais rester dans le coin. Bonjour Ludo. Bonjour à tous. Et il est là. Comment ça va les gars? Vas-y Fabien. Eh ben ça va très bien pour un dimanche bien ensoleillé. Hein. Il y a du soleil pour l'instant, ça va. C'est vrai. C'est vrai. Quoi que c'est gris, mais bon. On va pas se mettre à chanter aujourd'hui, je pense. Non, 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 ça serait bien. Ludo, ça va? Je tiens à signaler Fabien, il a un problème de vue. T'as vu dans le fond là-bas, c'est noir. C'est noir, c'est noir. C'est ce que je viens de dire. C'est un peu gris, ça va tonner, je pense. C'est un temps de merde, quoi. C'est un temps de mai? Non, c'est un temps d'écouter la radio, hein. Oui, voilà, je pense. Oui, voilà, tout à fait. Écoutez la radio et nous appelez 09 82 42 55 65 ou sur la page Facebook de Sunday Afternoon, également la page de Radio Ornithorynque ou sur le Facebook privé de chacun pour faire vos dédicaces. Sunday Afternoon, c'est votre émission du dimanche après-midi. On a quelques dédicaces, Fabien, qui sont déjà tombées dans la semaine. Ah, très bien, c'est une bonne nouvelle. On a entre autres. Oh non! Oh non! Oh non! Pourquoi il y a un cigare des fois? Est-ce que j'ai vu? Dans quoi tu vas pour l'entretien? Sur ta dance. Est-ce que j'ai perdu sur ta dance? Et c'est toujours Sunday Afternoon, votre émission de dédicace du dimanche après-midi sur Ornithorynque. Comment ça va dans le studio? En direct. En direct. En direct. Je l'ai pas dit? Non. Ah, t'aimes bien quand je le dis quand on le dit en direct. Encore mieux, en direct live. En direct live, mais pas en direct live vidéo. Hein, pour l'instant, non. Puisqu'en fait, j'ai chargé Ludo de mettre la webcam en route. Et il n'est pas appuyé. Non, c'est qu'il sait pas, voilà, c'est pas de sa faute, il peut pas tout savoir. J'ai des gros doigts. Oui, j'ai un petit cerveau, mais j'ai des gros doigts. Et oui, voilà, il n'y a que ça de gros en toi. Il n'est pas ingénieur informaticien. Quand je vais te choper, toi, tu auras mal. Il va me mettre le doigt dans le nez. Non. Dans le nez. Non, oui. Oui, oui, oui. Il y a Ludo qui débarque, c'est quoi cette bande de tarés? J'ai l'impression d'avoir le nouveau film de ça. Ah oui. J'ai l'impression ça. C'était un titre demandé dans Sunday Afternoon. C'est bien pour Halloween. Ah oui, bientôt Halloween. Wow. Ah, ça c'est un bel élément. C'est Stéphane Dubreuil sur Mary qui a demandé ça. Hein, ce titre-là de Michael Jackson. Justement, Michael Jackson, il ressemble un petit peu au film de ça. Allez, on passe à la suite. Hein. Vous êtes toujours sur Ornithorynque 90.2 FM, également sur le www.ornithorynque.net. Vous pouvez nous suivre. Il n'y a aucun problème. À noter également que, Ludovic n'a pas réussi à mettre en route la webcam. Qu'est-ce qui se passe, Ludo? Je sais pas, c'est mal paramétré. Oui, c'est ça, ouais. j'y peux rien, mais j'ai appuyé sur tous les boutons, il n'y a rien voulu savoir. Donc, j'ai appuyé. Donc, mais pas d'air, j'ai rien fait. Bon, voilà, j'ai essayé au moins. Alors, on a reçu une dédicace. Hein, parce que, voilà, c'est le. Calmez-vous, hein. C'est Yo-Yo, voilà. Il veut faire une dédicace à sa femme. Alors, nous aussi, on fait une dédicace à sa femme, à petite Julie, voilà, qui nous écoute. Parce qu'en fait. Julie, on t'aime. Elle est fan de cette série télé-là. Ah oui, moi aussi d'ailleurs. Ah, ça, il n'y a pas mieux. Illumine les chemins obscurs. Ah, merci, Yvan. Ah, ça fait plaisir. Conquérant de lumière. Joyce. Jace et les conquérants de la lumière. Et en fait, il m'a demandé le titre qu'on trouve sur internet de cette série-là, le titre qui fait boum boum boum. Voilà. Ah, là, vous connaissez cette. Il y a d'ailleurs une série qu'on peut retrouver en intégralité, puisqu'elle passe actuellement sur la chaîne manga. Très bien, si tu le dis. Bon, voilà. C'est toi le chef de la émission. Et puis de toute façon, oui, c'est moi le chef aujourd'hui. D'accord. Tu remarqueras que je te contredis. Non, c'est bien, puis de toute façon, tu n'as pas le droit, sinon tu sors. Oui. Ouais. Sinon, le pull rayé. Tu prends note pour les prochaines émissions pour moi. D'accord. Le pull rayé, tu sors. Bon, alors je pense qu'on va la remettre la chanson au début. Non, pas au début, seulement j'ai la version remix comme il m'a demandé. Ah, la dédicace donc de Yo-Yo pour sa femme, Julie, de Saint-Mexan. Les irènes, les
Les conquérants de la lumière à l'instant sur Nitorin, que c'était un titre demandé de la part de notre ami Yo-Yo de Saint-Mexant. C'était pour sa femme Julie. Alors que ça y est, ça commence à réagir hein, sur la vidéo live. Ça y est, Ludo, t'as réussi. Oui, ça y est. Merci à Teddy. En couleur en plus. T'as remarqué, c'est plus en noir et blanc. Non, c'est fini noir et blanc. Attention, Fabien, pour la houla. On n'est pas dans la merde. Alors, Ludo, j'étais simplement en train de remarquer que Ludo regardait la vidéo. Il se dit, bah merde, c'est pas comme ça d'habitude dans le Grand D, c'est sérieux. Ah non, mais là, ça change tout. Là. Attention, on a plusieurs. Sunday, hein, et Sunday afternoon en plus. Hein. Ouais, c'est le lendemain du Saturday, et ça, c'est pas bon. Oui, dans les films. Tiens, on va faire un petit coucou à David qui nous écoute aujourd'hui. Ah, il s'écoute Oui, bah oui. Bien, bonjour David alors. Salut David, bonne chance David. Oui, voilà, puisque... Il revient de loin, je pense, hein, oui, il est en voyage. Il était au Portugal. Oui. En parlant de Portugal, un coucou à tous les pompiers qui nous écoutent. Il est parti pour le monde entier, là, c'est fini. Hein. on l'a perdu tout à l'heure, on va retrouver en Antarctique. Voilà. Bon, bah voilà, ok, super, je dis plus rien, ok. Ouais, j'ai réussi. Ludo, tiens, toi qui fais ton grand, le titre suivant, tu me le traduis en français. Comment? En français. Mais t'es malade ou quoi, toi? Les rubettes, sugar baby love. Ouais. Un sucre, mon bébé d'amour. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir un peu de sucre, toi. Allez, un petit café, un petit sucre, vos dédicaces 09 82 42 55 65 sur la page Facebook également. Et c'est une dédicace de Marc de Le Luard pour Christiane. Allez! Ah, mais j'attends le relais, moi! J'attends le relais aussi! Elle durait plus longtemps ma dédicace, c'est bon, c'est pas grave. Les rebêtes à l'instant sur Nitorin 90.2 FM, c'était une dédicace, Fabien. Oui, tout à fait, une dédicace. En fait, c'est que les gars, vous dites, il faut ce titre-là, les rebêtes. Ouais. Ok, pas de soucis, je me dis, ils vont se faire plaisir, les mecs. Prévenez-moi, les gars, envoyez-moi un mail. Non, bah oui, alors là, un fax plutôt. Ouais. Ouais, ou faites comme Yoann, mettez un message sur la vidéo pour simplement parler du pull de. En fait, Yoann, le pull de Ludo, il est juste là pour régler l'image. Exactement, voilà. Et je te rappelle à Yo-Yo que tu ne fais plus partie du Grand D.
Bon alors, la dédicace était de qui pour qui? Marc de Saint-Mexant. Non, c'est ça. On était au Luard. Le Luard. Ouais. Ah, Saint-Mexant, c'était avant. Ah, Saint-Mexant, c'est le coup d'avant. D'accord. Voilà. D'accord. Faites-vous. Ah oui, Saint-Mexant, c'est. Un petit peu perdu, Ludo, je crois. C'est gars. Saint-Mexant, c'était yo-yo pour Julie. Voilà. Bonjour, Julie. Bonjour à toi. C'est toujours plus fort que lui. Viens quand tu viens à la radio, Julie. Oui. Sans ton mari. C'est mieux. Ah ouais, surtout sans ton mari. Attends, déjà, on est aujourd'hui sans les femmes. Donc, déjà, c'est bien, on reste à la maison. C'est vrai. Déjà, on est tranquille. C'est vrai. Exactement. Ouais. Pas de problème, vous pouvez les accueillir. Faites-vous plaisir, 09 82 42 55 65, si vous voulez casser de l'ornito et faire édicace, c'est vraiment jamais. Un titre qui commence juste comme ça. Yes! Ah! Ça c'est du rock'n'roll. Un petit son rock avec Pink Floyd. Voici Monet, ça c'est un titre Lulu se fait plaisir. Je suis plus là! Ah, ça y est, on l'a eu. Excellente journée à toutes et à tous sur Nitro 1, c'est Sunday Afternoon et c'est votre émission de dédicace, n'hésitez pas à nous appeler. J'ai envie juste de bouffer la fin, Ludo, pour te dire que c'est pas bien, quoi. Ouais. C'est pas bien d'aller fumer alors que je te passe ton titre préféré. Ah, mais je vais écouter, t'en fais pas. Hein. Ah, tu as écouté. Ah, bah oui, la fête, la porte est ouverte. Un petit coucou à ceux qui sont sur le parking et qui nous écoutent. Je m'en doute bien. Hein, c'est les gars en bleu dans leur véhicule bleu avec un gyrophare dessus de Bouloir qui sont présents. Et puis, et les si gens. Si ils écoutent et qu'ils s'amènent, je veux dire, t'as être mal, toi. Bah, c'est pas grave. Écoute, on va leur payer un petit café, on va leur payer au pire une petite bière et puis on va les faire descendre souffler le ballon. On va leur payer un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup comme la dédicace qu'il y aura dans quelques instants. Ah oui, non, mais je suis le roi des transitions. Il y a du monde ici sur la page Facebook. Licence 4, allez, viens boire un petit coup à la maison. C'est Stéphane du Break sur Miris qui nous a demandé ce titre. Excellente journée sur Nitro 1 qui a appelé nous. Mais c'est Stéphane qui a demandé. C'est la première et la dernière fois que je fais cette émission. Alors c'est lui qui, ce midi, m'envoie un message pour me dire à quelle heure tu seras à la radio. Bah je dis bah vers 3h, prépare l'émission. Ok, tout à l'heure. Donc je me dis bah il va venir, voilà. Et en fait, c'est juste pour se faire plaisir. Tiens, un peu comme l'a fait Stéphane avec la dédicace là de Licence 4. Viens boire un petit coup à la maison sur Nitorink. Je vais boycotter. Non, je vais pas boycotter. Non. Vous pouvez nous écouter. Puis également, faire vos dédicaces en même temps sur la page Facebook. Bref, tout ça. Au téléphone aussi. Au téléphone également. Évidemment, c'est toujours un moyen de communication le plus rapide et plus simple. Dédicace. Qu'est-ce que t'as pris hier soir? J'étais chez Johan, on a fait une grosse soirée, c'est pour ça qu'il est en train de faire le ménage là. Ça se comprend alors, d'accord, il est en forme. Ouais. Bon, dédicace. Allez, dédicace, je parle dessus. Oui, bien sûr, vas-y, on t'attend. Alors, si on regarde bien au niveau de la liste qui défile, oui. C'est Amy Stewart. Ouais, Amy Stewart. The Wood. Voilà, alors c'est pour spécial dédicace pour mon papa. Ah. Qui nous écoute de tout là-haut. Donc voilà, ça fait plaisir. En 1970, je crois, c'est ce tube. 78, voilà. 78, donc on reste dans les soirées. Après Licence 4, on part sur Amy Stewart. C'était un de ses tubes
disco qu'il aimait bien danser là-dessus avec tout le reste comme Patrick Hernandez et tout ça. Ah bah oui, les grands classiques. Oh là voilà, là, là. Amy Stewart, c'est un coup de cœur. Là, c'est, on arrivait à ce niveau-là. Là, on arrive dans le haut de gamme de choses. Carrément, ouais. Voilà. Ah, bah, écoutez, pour ton papa qui nous écoute et de bah, là-haut, voici Amy Stewart sur En Étoile. Merci à toi, Teddy. J'ai fait exprès de mettre la version longue comme ça, le temps que le son monte bien, bien, bien loin. Ah, puis la réplique, elle est bien. Ah ouais. On va la laisser en boucle, tiens. Jusqu'à 17h30. C'est le meilleur moment. Allez, sur la table. Amis, tu vois, à l'instant, No Come The Wood sur les tournées 90.2 FM. Une... Avec ce souvenir de l'année 2003, Lorna Papichulo, faites-nous vos dédicaces 09 82 42 55 65. Sunday afternoon. Sunday afternoon. T'es pas parti encore. J'ai envie de... Ah ouais, bah alors si vous parlez passer les musiques, on va... Y'a pas de problème. Bienvenue sur En Étoile. Hey. 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 Laissez vos vêtements vestiaires, s'il vous plaît. tu rentres pas, toi. Le propriétaire de la 200. Oh, le délire, c'est plus de la radio, là. C'est de la web radio, carrément. C'est n'importe quoi. On se croirait une émission animée par Yohan Sega, tu vois pourquoi. Oh. Il va y avoir du retour, je pense. Allez, tu peux couper, c'est bon, on écoute. Vous êtes toujours sur En Étoile 90.2 FM, il est bientôt 17h et bientôt 4h du matin pour la rediffusion de cette émission. Oui, parce qu'en fait, je prévois au cas où que les gens nous écoutent que à 3h du matin le vendredi. Également, vous pouvez venir, on ne l'a pas dit ça, vous pouvez, ah oui. Vous pouvez non, venir. Non, pas, pas tous en même temps. Voilà, vous pouvez venir à la radio, il reste encore une demi-heure d'émission. Par contre, je tiens à préciser. Qu'est-ce qui va nous sortir? Si c'est la rediffusion. Ah oui, non. À 4h du matin, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Voilà. Il si, y a Fabien. Oui, avec les croissants. Ah, il ne l'a jamais fait ça. Ah, si, on apportera les croissants. T'imagines la prochaine rediffusion, le mec il est là pour la rediffusion. On voit sur la caméra de surveillance, il y a un mec qui attend qui sonne à la porte depuis une demi-heure. Ah, les gars me l'ont dit, hein. Mais les gars, ils ont dit de passer, nous on est passé. Pour Fabien. Ah oui, non, je pensais être bien accueilli, mais là, j'en ai le droit, j'ai le droit à tout. Là, et c'est pas fini. La totale. Et c'est pas fini, je pense. Restons sérieux, voyons. Restons sérieux. Pour faire des dédicaces également, donc on peut venir, je vous le disais, jusqu'à 17h30 ce dimanche 22 octobre de l'an de grâce 2017. C'est nul, mais c'est. Vous pouvez également, petite dédicace également pour Yohan, vous pouvez également venir nous sur la page Facebook de la radio, Radio Ornithorynque, nous suivre sur la vidéo également qui est partagée sur le sol. Ça va Lulu? Il est mort de rire, je sais pas pourquoi. Attends, c'est l'an de... C'est quoi? L'an de grâce. Ah, l'an de grâce. Pourquoi t'aimes pas l'an de grâce? C'est ce que j'ai employé il y a quelques années quand je faisais la radio. Tu sais comment le avant Jésus-Christ. Tu sais comment le calmer, Ludo? Tu lui fais ça. Attention, émission sérieuse. Ah, là, on change de registre. Là, c'est... Attention. Le rendez-vous tous les vendredis soirs, 21h, 22h, en direct sur En Étoile. Et je ne sais pas. On s'en fout maintenant, c'est Sunday Afternoon.
Donc oui, donc Ludo, ben voilà, un petit page de pub également pour l'émission Le Grand Dé qui sera qui est diffusée, qui est en direct également. Quand tu daignes venir, en tout cas, tous les. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Quand tu veux venir à l'émission, oui. Ça c'est tous les vendredis soirs. Oui. Comment ça se passe pour ton émission? Parle-nous-en, fais ta pub là. Ah, oh, c'est très simple, hein. On prépare rien. On a remarqué. Non, non, c'est très simple. C'est émission avec invité, avec possibilité aussi à tout le monde de venir faire de la radio à la dernière minute, puisque si vous arrivez aux alentours de 20h15, eh bien, parce que le direct. Est large. Ouais, est large. 21h, 22h, c'est le direct même. Et si vous avez envie de vous essayer à la radio, eh bien, vous pouvez vous arriver vers 20h15. Bien sûr, vous nous prévenez, hein, et puis on vous met tout dans la table avec nous, avec les chroniqueurs, avec invités, avec les techniciens, et puis c'est parti pendant une heure. À la fois, vous pouvez faire directement avec nous, et bien sûr, on va pas vous allumer. On est là avant tout pour vous initier à la radio. Donc, si vous avez envie de vous essayer, il y a pas de problème. C'est une émission donc qui est diffusée en direct tous les vendredis soirs, 21h, 22h, rediffusée juste avant Sunday Afternoon, 15h, 16h, tous même. Les dimanches et le mercredi matin à 3h du mat. Également. Pour ceux qui en veulent, ouais. Pour ceux, bah voilà, pour ceux qui travaillent de nuit, qui écoutent Ornithorynque de nuit, voilà, n'hésitez pas. Et puis Sunday Afternoon, on va diffuser tous les vendredis. Également, on peut l'écouter, la podcaster sur les émissions. Exactement. D'ailleurs, sur le site internet www.ornithorynque.net, rubrique podcast, antenne podcast. Voilà. Mais toi, tu dis pourquoi tu m'as invité? Non, je ne t'ai pas invité, Ludo. Tu t'es imposé. Ah. Ça change. Ça mérite d'être. Ça veut tout dire. Hein. J'ai fait proposition, après il dit, ouais, bien sûr, tu peux venir. On continue en dédicace, ouais. Notre ami Fabien. Eh bien voilà, la prochaine dédicace, c'est Bibi qui souhaite tout un le joyeux... chemin. Non, c'est pas celle-là. Non. Bibi qui nous souhaite un joyeux anniversaire à son petit copain d'Alençon. Il nous écoute d'Alençon quand même. Ah oui, sur Internet. Loin, hein. Oui, bah oui, impeccable. On peut sur Internet, bien sûr. On leur fait un gros bisou. Il fête bien ses 21 ans, le petit, son petit copain. Donc... Ah, bien. Eh bah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je remets le casque. On voit Ludo sur la caméra. Ah, les, enfin, les gens disent c'est n'importe quoi. Quand qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, voilà. C'est ça qu'ils disent. Fallait pas l'inviter. Mais on l'a pas invité. Non, il s'est imposé. Donc, Bibi. Bibi qui nous demande Soldat Louis. Ah! Il fallait commencer par ça, voilà. Fabien. Voilà! Ah bon, d'accord. Et ben dans ce cas-là, on passe à côté des dédicaces et puis on passe que de la musique alors. Non, faut faire plaisir aux auditeurs. Oui, voilà. Évidemment, ouais. On est là pour ça. Évidemment. Tout doucement. Ouais, ça y est, tout ça. Ça y est, ça y est. Évidemment. Ça, c'est France Gall. La prochaine fois, on fera une émission blind test et quiz musical. Ah ouais! Alors, on se rendrait. Je pense qu'on va bien rigoler. On fera ça et puis on invitera. Surtout, on n'invite pas Yo-Yo. J'allais dire, on invitera Yohan. Soldat Louis du Rhum des Femmes, à l'instant, sur Ornithorynque, une dédicace de Alençon, Fabien. Oui, on reste toujours dans l'ambiance de la fête, apparemment. Ouais, hein. C'est clair. C'est vrai, hein. Ah ouais, c'est sûr. Une dédicace, en tout cas. Il n'y a que ça de bon, hein. De Bibi pour son amoureux, sur Ornithorynque 90.2 FM. C'est un titre qui nous a été demandé de la part de Stéphane du Bray-sur-Mérise, la chanteuse Madonna, j'allais dire la regrettée Madonna, mais non, la chanteuse Madonna à l'instant, oh lead. Mais je sais pas pourquoi j'ai... Elle marche encore. Bon, avec son déambulateur. Mais... C'est vrai. Je te jure, c'est la première fois, la dernière elle fois. Elle danse, elle court aussi. Vous êtes sur Ornithorynque 90.9 FM, c'est toujours Sunday Afternoon avec Ludo, Fabien et Flavien. Non, c'est pas moi. L'autre, il a son rire de fou et c'est pas lui. Non. Il est pas là. Non. Bon, en tout cas, il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Flavien, tu voulais réagir peut-être, hein? Tu viens dire un petit mot? On est trois dans le studio. Vous voyez à la webcam, en fait, il y a un petit garçon qui se promène dans les... Il y a un schtroumpf. Alors, il y a que les yeux qui sont bleus dans ce schtroumpf-là. Hein. Il est en train de se promener. Il est en train de jouer. Enfin, il a le téléphone et en fait,
C'est pour faire quelques vidéos qui vont être disponibles sur le Facebook de la radio. Tiens, je ne veux pas être là sur une vie privée. Il y en a d'autres qu'on leur vie privée qui font une dédicace d'amoureux, n'est-ce pas, Fabien? Oui, tout à fait, une belle dédicace. J'étais en train de lire sur l'écran, mais à chaque fois, il me prend toujours au dernier. Prends l'écran. Voilà, je lisais tranquillement. Ouais. Donc, c'est une belle dédicace de Corgis, c'est ça? C'est Corgis, voilà. C'est une dédicace. On a reçu un coup de fil, on m'a demandé un titre d'amour. Et j'étais cherché dans les années 80, et c'est vrai que les Corgis, Everybody's Got to Learn Something. Oui. C'est un beau titre d'amour. Une dédicace de la part de Mélanie de Vibré. Qui dédicace ce titre pour Teddy et ses compères. Ah, oh, je ne vois pas de qui elle parle. Mais c'est une sacrée dédicace quand même, c'est mais magnifique. Écoute, Mélanie. Mélanie, elle merci. Elle est tombée sous le charme de nos voix, ouais, je pense. Ou alors c'est peut-être parce que depuis qu'on est en vidéo... Sinon, c'est parce qu'il doit y avoir Ludo, je pense. Ça doit être ça. Il est fou, lui. Il est en permanence avec toi? Non. Il est en stage. On va le ramener à l'hôpital après, hein. Allez. Un titre pour Mélanie de Vibray en dédicace à tous les amis d'Ornithorynque. Merci Mélanie d'être fidèle à Ornithorynque 90.2 FM. Une autre dédicace qui nous est arrivée, là c'est sur la page Facebook, Ludo. Hein, ah oui, c'est vrai. Prends le papier. Attends, le papier. La part de Martin. Oui, c'est ça. La part de Martin de Saint-Calais. À Saint-Calais, il nous capte. À Saint-Calais, ah, sur le Facebook alors. Sur Facebook, on peut nous capter sur le www.ornithorynque.net. Ou alors, tout simplement, il habite peut-être à l'entrée de Saint-Calais ou à la sortie de Saint-Calais, on peut nous capter également. D'accord, alors ça part de Martin. Oui. De Saint-Calais. Oui. Pour Martine, pour les deux M. Martin et Martine, tu vois, c'est pour ça. Le gars était chercher sa vache. Ça c'est fort. En fait, c'est pour eux-mêmes, quoi. Ils ont nous écouter en voiture, je sais pas quoi, un truc, et voilà, ou chez eux. Et donc, pour les deux M. Voilà. Et donc, ils se sont fait plaisir, mon cher Teddy. Oui. Avec le titre, les Pet Shop Boys. Les Pet Shop Boys. Ouais. Gold West à l'instant sur l'antenne du 93.2 FM. Non, tout de suite. C'est pas à l'instant. Ouais. À l'instant. Donc j'ai un titre de Martin pour Martine. Oui. De Saint-Calais. Ouais. Pour les deux. Voici Go West, Pet Shop Boys. Les bonnes choses ont une fin. Oh. T'as passé une bonne chose, toi? Je vais prendre un petit mouchoir, je vais pleurer parce que là. Je suis deux dans sa dédicace. Allez, enfin, je vais pouvoir rentrer chez moi. Exactement. Il est pas sympa. Mais si. Ce afternoon, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. À partir de 16h jusqu'à 17h30. Pour une nouvelle édition. Merci Ludo d'avoir été présent. Ce fut un plaisir, mon cher Teddy. C'était une imitation de quoi là? Je sais pas. D'accord. Stallone. On aurait dit une imitation d'un imitateur qui imitait quelqu'un. Voilà. Mais tu fais ce que tu veux. D'accord. Là. Merci Fabien. Eh ben merci à toi. Et merci Simone. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Alors déjà, le début de l'émission. C'était pas terrible. Quoi. Milieu d'émission, c'était du grand n'importe quoi. Fin d'émission, je pense que là... On est fatigué. Ouais. C'est ça, je crois. C'est n'importe quoi. Merci également Flavien qui était présent avec nous. Pour avoir filmé. Merci voilà, Flavien. Le caméraman qui était là. Le Flavien. Le caméraman de cette émission. Vous avez une petite semaine pour me laisser vos dédicaces. On se quitte avec Chico et Roberta Frente a Frente. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci les gars. Merci à toi. Et passez une excellente journée sur Ornithorynque. Très belle nuit. Je rappelle que l'émission sera rediffusée dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin. Allez, passez une excellente fin d'après-midi sur Ornithorynque. Et je vous rappelle évidemment qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci tout le monde d'avoir répondu présent. Chaque dimanche de 16h à 17h30 avec Teddy.
Sunday Afternoon. Les meilleurs moments sur Ornithorynque.